Bienvenue pour cette première table ronde du dimanche de la Fête du Possible. Je suis ravi d'accueillir pour cette table ronde donc sur la cantine bio et locale qui est devenue une réalité à Saint-Bosile-de-Montmel. Françoise Matteron, maire de Saint-Bosile-de-Montmel. Pierre Plancheron, qui est directeur du Passe Muraille, la structure nouvellement chargée de la restauration scolaire à Saint-Bosile. Et Marina Chan et Célia Ledu, qui sont parents d'élèves. Alors, je vais commencer cette table ronde par un petit chiffre. En 2012, le Grenelle de l'environnement donnait comme objectif 20% de bio dans les achats de la restauration collective. En 2017, on était à seulement 2,9%. Alors, peut-être une première question pour Françoise Matteron. Est-ce que vous pouvez nous dresser un peu la situation de la cantine scolaire à Saint-Bosile avant le changement de cette année? Comment ça se passait? Quelle était la part du bio, du local, etc.? Alors, la part du... Donc, on était servi par un traiteur très classique, industriel. Hein. On avait choisi une option où il y avait, il me semble, un jour bio par semaine. Donc, voilà, le coût était suffisamment dans nos prix, hein, parce que, voilà, il faut aussi qu'on puisse régler la note. Bon, c'était un traiteur avec lequel on travaillait depuis plusieurs années, qui faisait bien son travail. Hein. Je veux dire, je ne vais pas critiquer le traiteur que nous avions avant. Je pense qu'il était très semblable à tous ceux qui sont actuellement sur le marché. Et on avait... Alors là, j'anticipe sur la question, donc je vais m'arrêter là, parce que je suis quelqu'un de très bavard. Tu m'entends, Patrice? Pas du tout. Alors, à peine plus bas. Là, c'est mieux? Vous n'avez rien entendu? Bon, voilà. Bon, voilà. Je répondrai mieux tout à l'heure. Là, c'est une mise en chauffe. Hein. Merci. Alors, je vais me tourner vers les parents d'élèves maintenant. Le 19 janvier 2019, vous avez co-organisé avec d'autres personnes de l'association Saint-Bosilloise Agir une après-midi qui s'intitulait « De la graine à l'assiette ». Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Quel était le but recherché de cet après-midi et en quoi elle consistait? Donc du coup, cet événement, il a germé un petit peu dans nos têtes parce que à la rentrée 2018, l'association Agir a fait part en fait de leur intention de faire passer la cantine de Saint-Bosile en bio, etc. Enfin, c'est un projet qu'ils ont depuis longtemps. Donc il y a un petit groupe de parents, mais aussi de citoyens du village qui sont regroupés pour essayer de travailler là-dessus. Et on a un petit peu accéléré le mouvement, on va dire, parce qu'on savait que le contrat du traiteur arrivait à terme et que du coup, c'était un moment clé pour pouvoir peut-être changer de traiteur ou voilà, mettre quelque chose de nouveau en place. L'objectif d'Agir au départ, c'est quand même... Enfin, l'objectif à long terme, on va dire, ce serait d'avoir une cuisine sur place avec éventuellement... une agriculture locale, mais vraiment de Saint-Bosile, qui fournissent la cantine, etc. Mais là, en un an, c'était pas possible. Donc du coup, on a réfléchi à ce qui pouvait être fait. Et avant toute chose, on voulait aussi savoir si les parents adhéraient à ce projet. Parce que nous, on était convaincus qu'il fallait une cantine bio, mais c'est important de savoir si les parents d'élèves nous suivent ou pas, pour pas créer de désordre ensuite. Donc on voulait faire une enquête auprès des parents. Et avant ça... Pour être sûr quand même qu'ils soient informés, qu'ils soient un petit peu sensibilisés, on s'est dit le meilleur moyen, c'est quand même de faire un petit événement autour de ce sujet-là, après lequel en fait on leur donnerait une enquête pour avoir le maximum de réponses positives, espérer avoir le plus de réponses quoi, pour aller dans notre sens. Et donc du coup, Marina, je te passe. Oui, donc en fait, on a organisé une journée qui s'appelait « De la graine à l'assiette » et qui avait effectivement pour objectif un petit peu de sensibiliser les parents et bien évidemment les enfants aussi, parce que c'est quand même eux qui vont vivre la chose, et de les ramener un petit peu à la notion de la terre, de comment une graine germe, comment elle arrive justement dans l'assiette. Et pourquoi c'est important, effectivement, de bien respecter... Enfin, en tout cas, voilà, d'avoir une notion des saisons, une notion des produits
effectivement, on a fait cet événement dans l'objectif de recueillir le plus d'avis possible. Bon, a priori plutôt positif, mais voilà, que les gens nous donnent un petit peu leurs impressions et leurs envies par rapport à leurs enfants. Parce que c'est vrai qu'il y en a quand même qui ne sont pas forcément très sensibilisés ou en tout cas pas prêts à ce qu'on leur impose quelque chose comme ça. Et donc, on avait trouvé que c'était un bon moyen de, voilà, d'amener tout le monde un petit peu dans ce projet et de fédérer, quoi. Merci. Alors du coup, je vous propose de regarder une petite vidéo pour ceux qui n'ont pas pu être présents le 19 janvier 2019, qui vous montrera concrètement en quoi consistait cet événement. Et du coup, vous avez mentionné l'enquête auprès des parents. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et pour illustrer cela, voilà, j'ai le rapport d'enquête que vous avez rédigé, si vous voulez nous le commenter. Oui, donc du coup, donc on avait fait passer l'enquête dans un premier temps le jour même de l'événement de la graine à l'assiette, donc où les parents et les personnes aussi du village pouvaient remplir cette enquête. Et pour essayer d'avoir un maximum de parents, enfin l'avis d'un maximum de parents, on avait aussi fait passer par mail cette enquête à tous les parents d'élèves dont on avait l'adresse. Donc il y en a peut-être quelques-uns qui sont passés à travers les mailles, mais on a essayé de toucher un maximum de parents. Donc du coup, on a eu 52 questionnaires de parents. Là, c'était bien des... On avait l'avis d'autres Saint-Bosillois, mais on s'est axé sur les parents pour vraiment rester sur ceux qui étaient concernés sur le moment. 52 parents qui ont répondu au questionnaire, sachant qu'on servait entre 80 et 90 repas, je crois, l'année dernière. Un petit peu moins ? D'accord, 70 repas, a priori, du coup, l'année dernière. Donc ça faisait quand même un bon pourcentage de parents qui avaient répondu, sachant qu'il y a des parents qui ont plusieurs enfants qui mangent à la cantine. Du coup, sur ces parents, on peut voir là sur le graphique qu'il y avait quand même 69% des parents qui se disaient très sensibles à l'alimentation biologique. Donc ça veut dire soit qu'ils faisaient très attention, ou c'était toujours et beaucoup. Pour être sensible au bio, on avait toujours beaucoup, un peu ou pas du tout. Donc sur les deux critères les plus positifs, il y avait 69%. Et 77%, donc plus des trois quarts des parents, estimaient que ce qui était proposé, c'est-à-dire un repas bio par semaine à la cantine, n'était pas suffisant, voire très insuffisant pour un quart des parents. Donc déjà, on se disait, bon, il y a quand même quelque chose à faire avec ça. Ensuite, on avait essayé de voir ce qui était vraiment important pour les parents. La qualité arrivait en premier, ainsi que la provenance. Donc là, le local ressortait aussi, parce qu'on parle beaucoup de bio, mais notre but, c'était aussi de relocaliser et d'avoir comme un apport de produits locaux. Donc ça, les parents étaient assez pour. D'ailleurs, le local, c'est le critère qui arrivait en premier, avec ensuite suivi de très près du bio et des aliments frais pour cuisiner. Ensuite, on a quand même parlé du prix, parce que c'est là où ça grince un petit peu des dents en général pour les parents. Donc on avait proposé une échelle de prix, on leur avait dit est-ce que vous êtes prêts à payer jusqu'à 3,60 €, entre 3,70 € et 3,90 €, et on montait jusqu'à plus de 4,20 €. À combien était le repas initialement ? Le repas était à 3,40 €. Il y avait déjà des prix étalés, mais le maximum c'était 3,40 €.
Il y avait déjà des prix étalés. On avait trois tranches, je me souviens. 3,40, 3,50, je crois, et 3,60, tout simplement. D'accord. Donc, on voulait savoir si le prix en fait actuel leur convenait, s'ils ne voulaient pas augmenter, s'ils étaient prêts à augmenter pour avoir un petit peu mieux, enfin, etc. Et là, l'enquête, c'est pareil, elle est dans notre sens, on était plutôt contents, où 96% des parents étaient prêts à payer jusqu'à 360 euros. Je crois qu'à l'époque, quand même, parce que je crois que la modification de prix s'était faite en janvier, venait de se faire, et que du coup, on payait 3,40 jusque-là, et qu'en janvier, il y avait eu du coup les trois tranches. Je crois que c'était comme ça. Et c'est pour ça qu'on s'était basé sur le prix de base. Mais il y avait quand même 80% des parents qui étaient prêts à aller jusqu'à 3,90 euros. Donc même pour ceux qui payaient jusqu'à 3,60, il y avait quand même une augmentation qui était possible. Donc ça laissait quand même un petit peu de marge pour l'augmentation. Et après, non, après c'était des... Voilà. Donc du coup, une fois qu'on a eu cette enquête, on était rassurés. On s'est dit, bon, quand même, apparemment, les parents sont quand même derrière nous et il y a une vraie volonté de passer au bio. Donc avec cette enquête-là, on a sollicité la mairie, on leur a soumis cette enquête en leur disant, voilà, nous, on a fait cette enquête donc dans telles conditions, etc. Et les parents ont envie de bouger, ont envie que ça bouge. Donc après, on a pu se réunir avec la mairie et les parents d'élèves pour réfléchir un petit peu à ce qui pouvait être fait et... Voilà. Alors, justement, je vais passer la parole à Françoise Matteron. Du coup, comment vous avez perçu cette initiative? Comment ça s'est passé ensuite les étapes jusqu'à l'appel d'offres? Quelle synergie il y a eu avec les parents, etc. Ben, je vais dire que ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est en fait l'envie des parents de vraiment travailler là-dessus, parce que c'est pas la première. Enfin, ça fait un petit moment que je suis à la mairie, que je m'occupe de l'école et la demande d'une cantine où il y a toujours de plus en plus de bio, elle est pas nouvelle. Mais ce qui changeait cette fois-ci, c'est que on n'avait pas seulement des parents, je vais dire consommateurs, mais des parents qui voulaient bien être acteurs, c'est-à-dire voir quelles étaient les contraintes pour une commune pour trouver un fournisseur, parce que la difficulté, tout le monde a envie de faire le mieux qu'il peut pour les enfants, de servir les meilleurs repas possibles au meilleur prix possible. Hein. Je ne connais pas un seul maire qui a envie de servir de la nourriture de basse qualité à un prix excessivement cher. Mais il faut pouvoir faire rejoindre la réalité, les contraintes qui sont les nôtres, les contraintes des traiteurs, avec les demandes des parents. Et là, on avait des parents qui étaient conscients de ça et avec qui, avec l'association Agir aussi, qui avaient vraiment envie de s'interroger sur voilà, comment on fait pour d'abord choisir un traiteur, qu'est-ce qu'on demande, comment ça marche, quels sont les critères, comment on pose un cahier des charges, comment on va choisir, qu'est-ce qu'il faut préciser à l'intérieur, quelles sont les contraintes, quelles sont les limites au point de vue financier, au point de vue logistique, l'équipement de la cuisine. Donc il fallait vraiment prendre tout ça en compte pour que les enfants, à la rentrée de septembre, il y ait les repas dans les assiettes et une continuité du service. Donc c'était vraiment une démarche, non pas on veut, y a qu'à, il faut, mais simplement on veut travailler avec vous pour essayer de trouver la meilleure solution possible. Et ça m'intéresse parce que c'est vraiment comme ça qu'on peut faire avancer les choses. Très bien. Et du coup, au niveau de la rédaction de l'appel d'offres, etc., quels critères vous avez retenus, notamment par rapport à l'enquête dont on a parlé, mais pas seulement, comment ça s'est passé ? On a fait une consultation parce qu'on a un seuil qui nous permet de ne pas faire une offre, enfin une consultation des marchés publics selon des règles absolument strictes. Donc on a fait une consultation puisqu'on arrivait à moins de 35 000 euros par an de fourniture. Donc de ce fait, on est parti sur l'hypothèse qu'on allait faire un premier cahier des charges en mettant le maximum de tout ce qu'on en voulait. Donc on a osé l'ambition, comme on dit. On a demandé le maximum de bio, on avait demandé le maximum de produits locaux avec des variantes hein, selon ce que pourraient proposer les traiteurs. On était parti, me semble, de 50%, 60, 80 peut-être, et 100% avec les prix. On avait, moi je tenais absolument aussi à éliminer les plastiques de la cantine. Donc je voulais des plats qui soient en inox. Pour des questions écologiques et sanitaires hein, aussi.
Donc on a mis tout ce qu'on souhaitait. On a mis la souplesse aussi, qui était celle qui était la nôtre avec l'ancien traiteur, c'est-à-dire que l'année dernière, ben, les parents pouvaient appeler jusqu'à 8h, je crois, le matin, ou 7h30, pour pouvoir commander le repas pour le jour. Et on était conscients, hein, on a tous été conscients qu'il faudrait faire des sacrifices sur quelque chose, parce que ça ne pourrait pas exister. On ne peut pas avoir en même temps la souplesse, le prix bas, le 100% bio et local. Donc on s'était dit, ben, on va voir les réponses que l'on a, et puis on choisira parmi les entreprises qui vont déposer le dossier, celle qui sera le plus proche, qui ira le plus possible dans le sens où on veut aller. Et on avait établi nos priorités. La priorité, c'était d'abord la qualité. Donc la qualité bio, locale, et puis la souplesse, on verra ce qu'on peut faire après. Le prix aussi, on avait été un paramètre, bien évidemment, on ne pouvait pas accepter des prix à 10 euros, mais là aussi, ce n'était pas le critère, celui qu'on regarderait en premier. Donc on a convenu de tout ça, on a rédigé un cahier des charges en précisant bien que le traiteur devrait livrer à telle heure le matin, parce qu'on a une cuisine qui peut accueillir les plats à 10h30. On avait mis qu'il y avait aussi le centre de loisirs le mercredi avec des quantités beaucoup plus faibles à servir. Donc il y a quand même pas mal de contraintes pour notre prestataire, puisque les quantités varient entre le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, où on est entre 80 et 90 repas. Et le mercredi, on est plutôt à 20 repas. Donc il fallait trouver quelqu'un qui vaille aussi se déplacer, parce qu'on est à Saint-Vosile-de-Montmel, pour 20 repas. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour, hein, il me semble, sur le cahier des charges. Donc on a lancé ça, et on était déjà au mois de mars, non ? Quelque chose comme ça. Voilà, et donc on avait laissé un mois ou quelque chose comme ça pour que les traiteurs répondent, et puis on a attendu. Et du coup, je vais me tourner vers Pierre Plancheron. Est-ce que vous pouvez nous présenter le passe-muraille et puis plus spécifiquement de la terre à l'assiette, qui est donc la structure qui fait traiteur-restauration, et quelles propositions vous avez fait en réponse à cet appel d'offres ? Oui, donc le passe-muraille, c'est une association qui œuvre pour la valorisation des patrimoines culturels et naturels depuis une vingtaine d'années à l'échelle de la région, et on a beaucoup d'activités qui sont sur le territoire du département de l'Hérault et également du Gard, un pôle action sociale et une agence culturelle. Donc nous mettons en place des chantiers d'insertion professionnelle et d'utilité sociale sur plusieurs thématiques autour du patrimoine, dont la question du patrimoine gastronomique. Ça fait plusieurs années que nous avons mené une réflexion, et puis plus précisément depuis 2 ans, une étude qui a été cofinancée par l'Europe, le programme LEADER, sur le territoire de la communauté de communes du Grand Pic-Saint-Loup, également la région et le département, donc avec différents experts en vue de la création d'une structure dédiée à la restauration collective de la meilleure qualité possible. Donc cette structure aujourd'hui existe, elle s'appelle De la terre à l'assiette. Et ce que nous proposons, c'est de la restauration collective, mais aussi traditionnelle, et aussi également un service traiteur. 100% bio, le plus local possible, avec des menus de saison et des produits de saison. Donc à chaque fois, on rajoute une couche de complexité pour la production et pour la réalisation. Et enfin, du 100% fait maison. Donc c'est une offre au niveau de la restauration scolaire qui existe très peu ou qui n'existe pas, puisque, comme l'a indiqué Madame le maire, pour la restauration scolaire, en général, ce sont des grands groupes industriels, régionaux, nationaux, et même de dimension souvent internationale, qui propose des repas avec un tarif le plus bas possible. Et bien souvent, et évidemment, la qualité de ces repas est aussi correspond au tarif. Donc voilà, aujourd'hui, l'entreprise De la terre à l'assiette existe.
Elle est sous forme de SIC, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. On s'inscrit bien dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Et on travaille à la formation et à l'accompagnement et à l'insertion professionnelle de publics éloignés de l'emploi, puisqu'on est labellisé entreprise d'insertion. Donc là aussi, on rajoute un élément de complexité, puisque nos chefs... plus fort. Donc je disais, là aussi, on rajoute un élément de... Donc, je vais essayer de parler plus fort. On rajoute un élément de complexité, puisque nos chefs donc ont différentes spécialités, mais en plus, ce sont des formateurs donc pour transmettre les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être voilà, dans un système, on va dire, d'apprentissage régulier pour en partie des salariés qui sont en insertion professionnelle. Ça, c'est aussi lié à une pénurie de main-d'œuvre. Notre action, elle est pilotée avec des partenaires institutionnels que sont la Directe, donc le ministère du Travail, le Pôle emploi, également le département. Donc il y a une pénurie de main-d'œuvre permanente dans les métiers de l'hôtellerie-restauration, que ce soit dans le département de l'Hérault ou dans le département du Gard. Et donc, nous contribuons à essayer de former et de motiver des personnes sur ces métiers de la restauration au sens large et en particulier de la restauration collective. Et très bien, merci. Et du coup, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu plus précisément de la réponse à l'appel d'offres de la commune de Saint-Bosile-de-Montmel? Est-ce qu'il y a des choses particulières? Comment vous avez formulé votre dossier pour répondre au mieux aux critères? Est-ce qu'il y a des choses particulières que vous voulez évoquer sur ce point? Donc, enfin, nous, on a répondu avec la proposition de 100% bio, le plus local possible. La question du local, elle est, je pense, elle mérite débat. Ça veut dire quoi local? C'est quoi? C'est 50 km, c'est 100 km. Donc les définitions varient en fait. La question du bio, elle est claire, elle est tranchée, puisqu'il y a une labellisation bio, donc c'est bio. S'il n'y a pas de labellisation, c'est pas bio. On a travaillé avec la Chambre d'agriculture, notamment dans le cadre de l'étude préalable. Par famille de produits, par cercle concentrique, donc de 50 km, et par saison. Donc on s'est rendu compte que jusqu'à 200 km, on trouve quasiment tout, tout ce qui peut être évidemment produit hein, dans notre région. Donc on trouve en tout cas l'essentiel. Et c'est là-dessus qu'on a basé des menus, puisque en fait, quand on répond à un appel d'offres, il faut donner des exemples de menus pendant un mois, des exemples de menus sur différentes saisons. Donc on évite aussi, enfin, il y a toute une réglementation qui est particulièrement contraignante, mais c'est, j'allais dire, au bon sens du terme, et complexe par rapport à la diversité de ce qui doit être proposé, par rapport aussi au dosage, au grammage, par rapport à tout ce qui concerne en fait la diététique. Donc tout ça, ça doit faire partie de l'appel d'offres. Et c'est vrai que cette complexité-là, elle est très bien prise en charge par les industriels qui existent et qui font donc des offres dans ce sens-là. Je dirais que la grande différence entre eux et nous, c'est que nous sommes de taille artisanale et qu'on va rester sur une taille artisanale et qu'on met en place un travail de sourcing assez précis, donc tous les 50 km. Et l'idée, c'est de pouvoir fournir régulièrement aux usagers, donc au niveau à la commune et puis aux enfants et aux familles,
la provenance des produits. Voilà, le trimestre dernier, il y avait tant de pourcents de produits qui étaient à tel endroit. Voilà. On ne se pose pas la question du bio, puisque ça n'est que du bio, mais donc on se pose la question de la provenance. Donc nous, on essaie de favoriser les produits les plus locaux possibles à partir du moment où c'est bio. Et c'est là qu'on se heurte aussi à une difficulté, puisque l'offre en bio et en local, elle est relativement limitée. Elle est limitée aussi, évidemment, dans la saison. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Et on est en train de travailler sur le développement de transformation alimentaire, mise en conserve, en fait, mise en bocaux, qui peuvent se faire en saison, au moment de la maturité des produits, des légumes et des fruits, et qui ensuite donc sont proposés toute l'année au niveau de la cantine. On prend l'exemple le plus simple, c'est celui des sauces tomates. Il y a énormément de sauces tomates dans les recettes, hein, pendant toute l'année. Donc là, on a travaillé avec un partenaire qui est tout près d'ici, qui est sur Valflonnès, qui s'appelle les Bocaux du Pic, qui mettent en conserve des tomates qui sont bio, qui sont produites juste à côté, à Fontanès, au Mas de Londres, à Saint-Martin-de-Londres, et qui sont donc transformées en coulis, en sauce, mises en bocaux. Et donc toute l'année, nous servons des sauces tomates du Pic Saint-Loup aux enfants du Pic Saint-Loup. Donc on peut prendre l'exemple avec d'autres produits. Et ça, c'est une question qui est voilà, sur laquelle on va aussi se pencher pour avoir toute une gamme de produits qu'on va transformer nous-mêmes et qu'on va donc utiliser dans nos recettes tout au long de l'année pour pas non plus se limiter au niveau de la diversité et de la qualité des recettes. Ok, merci beaucoup. Du coup, là, je vais me tourner vers Françoise Materon et les parents d'élèves. Donc, déjà, combien de réponses à l'appel d'offres vous avez eues et comment s'est fait le choix, sur quels critères? Est-ce que ça a été difficile de trancher ou pas? En fait, notre propre... Ça marche, là, Patrice? Notre propre traiteur a jeté l'éponge. Hein, il a fait une simple page papier, une réponse en disant, bon, voilà, moi, la vaisselle, je ne peux pas encore changer, je ne peux pas abandonner le plastique. Tout bio, je peux, mais c'est à des prix qui étaient au-delà de nos possibilités, puisqu'il offrait un jour bio, deux jours bio, trois jours bio, quatre jours bio. Donc, quatre jours bio, ça correspondait à peu près. Et local, il ne pouvait pas. Hein, donc, et il y avait beaucoup de conserves. Hein, ce n'était pas du produit frais. Donc, voilà, il y avait... C'est de la cuisine industrielle, hein. C'est des gens qui sortent des milliers de repas par jour. Voilà, ils font leur travail comme ils savent le faire pour l'instant et avec les process qui sont les leurs. Donc on a eu on a eu deux autres réponses qui sont revenues sous pli fermé. Aucune ne correspondait à 100% à ce que l'on souhaitait. Hein. C'était le parfait, l'idéal. Donc, il y avait un autre traiteur industriel qui avait fait une proposition. Ils sont dans une démarche où ils vont aussi vers plus de bio. Mais là aussi, la vaisselle, ça ne suivait pas. Il y avait beaucoup de conserves. C'était de la nourriture industrielle. Et puis, il y avait la proposition de Passe-Muraille qui était la plus près. Donc, le sacrifice qu'il a fallu faire, c'était sur la souplesse, hein, mais ça se comprend. On ne peut pas commander à 9h du matin 90 repas pour être servi à 10h30 sans savoir combien d'enfants seront à table. Il est évident que le cuisinier doit s'approvisionner, prévoir à l'avance. Voilà, donc on a décidé de sacrifier ce critère-là. Le critère prix était tout à fait gérable pour nous. C'était... La commune a décidé de faire un effort, hein, c'est clair. Pour nous, il y a un surcoût. Pour les parents, il y en a aussi un petit peu. Il faut savoir ce que l'on veut. À un moment donné, on ne peut pas tout avoir. Donc, je trouve que c'est quelque chose d'important. Donc, voilà, que la commune fasse un effort financier là-dessus,
trouve que c'est bien. Voilà. Donc le prix du repas actuellement, si on le calcule pour la commune, il doit, parce qu'on a augmenté le temps de travail des personnels, on doit être plus près des 8,59 euros par enfant. Et les familles, donc on était, je disais, 3,40, 3,50, 3,60. On est resté à 3,40 pour les tranches les plus faibles en revenus, ce qui fait que ces tranches-là n'ont pas du tout d'impact. Et on est monté jusqu'à 3,90 pour les plus élevés. Et on a fait 4 tranches. Voilà. Merci. Oui, on allait parler du prix après, mais c'est parfait. Est-ce que, parents d'élèves, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport au choix du traiteur? Ok, très bien, parfait. Donc c'est vrai que souvent, on, vous les... Non, je suis sur le point de vous donner la parole, donc... Ah d'accord, ouais, n'hésitez pas quand... donc c'est vrai que le prix, souvent on se dit, oh là là, cantine bio, tout de suite, on va... Parce que quand j'achète du bio dans les magasins, c'est deux fois plus cher. Alors, enfin, je simplifie, hein, bien sûr, mais du coup, le prix du ticket va être deux fois plus cher. Alors, j'ai oublié de préciser aujourd'hui, initialement, il devait y avoir Félix Tuchet, qui est ingénieur agronome, qui a rédigé un rapport sur le bio dans les cantines. Et en fait, ce que dit ce rapport, enfin, ce que rappelle ce rapport, c'est que le coût des matières premières ne représente que 25% du coût total en moyenne. Peut-être que vous me corrigerez si je dis une bêtise. Et donc, forcément, déjà, la fluctuation, elle n'est pas aussi grande que ce qu'on pourrait imaginer si on prend que le côté surcoût d'avoir du bio versus du conventionnel ou ce genre de choses. Voilà. Du coup, si vous voulez mentionner le coût peut-être des matières... Enfin, quelle est la répartition peut-être dans vos coûts de la matière première, mais aussi du reste de la chaîne totale? Et puis, Françoise, peut-être compléter, parce que il y a des coûts qui vont au-delà, il y a les coûts du personnel, des locaux et tout ça. Je pense que c'est intéressant d'avoir un petit peu le camembert de la répartition des coûts. Donc nous, sur la matière première, on est bien au-delà de 25%, donc on est plutôt entre 35 et 40%. Donc, parce que effectivement, il y a un coût de matière première qui est plus élevé. Ça peut sembler paradoxal d'acheter du local et que ce soit plus cher que ce que font les industriels qui, eux, achètent sur le marché mondial, quand on sait comment les systèmes sont organisés. Dernièrement, là, on nous parlait de l'artichaut. Des artichauts sont produits en France, par exemple. Ils sont envoyés au Portugal. Au Portugal, on traite l'artichaut, on le conditionne. Et ensuite, ça repart en France et ailleurs pour être vendu. Donc, parce qu'il y a des gros problèmes de manufacture et de coûts de main d'œuvre pour la préparation des aliments, pour la restauration collective et pas seulement pour les traiteurs de manière générale. Et en fait, cet artichaut-là, qui est un artichaut voyageur, il coûte moins cher. Et c'est pour ça que les industriels s'en saisissent, que l'artichaut qui est bio et qu'on irait acheter chez le maraîcher d'à côté. Donc nous, on tient compte dans notre modèle économique de cette différence, et ça va jouer aussi sur les marges. Donc il faut qu'on arrive, nous, à un certain seuil aussi, tout en restant à dimension artisanale, pour arriver à absorber le fait qu'on a un pourcentage beaucoup plus élevé de coûts de matières premières que les autres traiteurs. Alors sur les coûts, nous on a augmenté essentiellement en coûts de personnel. On a acheté un petit peu plus de vaisselle aussi, mais ça, c'est négligeable. Je veux dire, c'est un investissement
minime. Mais bon, on a un petit peu plus de coûts de personnel parce qu'on a beaucoup plus de vaisselle. On a beaucoup plus de vaisselle parce que voilà, les compotes, c'est plus la petite compote qui arrive dans le petit machin en plastique. On ouvre, on jette et c'est fini. Les plats sont en inox, donc avec le traiteur, on a un échange de jeux de plats. Hein. Tous les jours, il nous livre les plats principaux, les entrées et les desserts dans des plats en inox ou en verre, selon si c'est des verrines, etc. Donc, on ne met pas à la poubelle. Hein. Avant, on remplissait de containers de poubelle. Là, il faut laver cette... on ne la lave pas de manière à la stériliser. Ça, c'est le traiteur qui le fait après. Mais on rend de la vaisselle propre quand même, pas avec la nourriture attachée et tout ça. Donc, ça prend quand même du temps. Là, on en parlait tout à l'heure. Là, jusqu'à présent, la vaisselle était finie à 14h. Là, elle est finie à 17h. Donc, c'est beaucoup plus de vaisselle. Bon, on va essayer. On travaille très étroitement avec l'association Passe-Muraille, qui est très, très à l'écoute, qui vient voir un petit peu comment on va pouvoir arranger et aménager ça. Comment travailler les agents aussi, parce que pour les agents, c'est une autre manière de travailler. Donc peut-être que cette vaisselle qu'elles font, c'est pas de la bonne façon. On peut aller plus vite, on peut aller plus simple. Pour le service, c'est pas plus long. L'association veille à nous faciliter le travail. C'est vraiment le ménage, mais c'est pas lié uniquement à la cantine bio. Je vais dire que moi, je suis très attachée. Je pense que les parents aussi d'élèves sont sensibles à ça. On ne peut pas concevoir le repas d'un enfant juste avec ce qu'il a dans l'assiette. Ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que moi, je tenais pas à ce qu'on mette de la nourriture bio, mais c'est tout, quoi. C'est aussi un temps de repas. Un enfant qui vient à l'école, ce n'est pas seulement un élève, c'est un individu. Et ce sont des enfants qui viennent de 7h30 du matin jusqu'à 18h30 parfois le soir. Et ils sortent à midi, ils sont fatigués, ils sont comme nous. Hein, quand on a envie de manger, on a envie que ce soit un vrai moment de plaisir. Alors, ce n'est pas la peine non plus de mettre de la superbe nourriture qui est faite par un cuisinier de manière artisanale, un pâtissier qui fait ça de manière artisanale. Si on doit se dépêcher de manger, si on doit manger sans regarder ce qu'il y a dans l'assiette, vite, vite, sortir, etc. Donc, ça fait des années que j'insiste là-dessus et j'ai eu du mal à me faire entendre du personnel. Donc, cette année, du coup, c'est un gros changement puisqu'on a mis en place à la fois cette cantine bio. On a plus de vaisselle jetable, donc ça évite de servir les desserts là, vite, vite. On a levé l'assiette, on mange vite la compote et puis on s'en va. Ça contraint d'être à table, de manger correctement. Les animateurs ont la consigne de rester à table avec les enfants. Ça prend plus de temps, mais c'est important. La journée est longue. Le temps de repas, c'est aussi un temps éducatif. Je crois qu'on en parlera après aussi, de savoir ce que l'on mange, de savoir d'où ça vient. Ça mérite des petites conversations pour apprécier ce que l'on fait, développer l'autonomie de l'enfant par rapport au service. Donc, il y a une vraie action. Donc, on devra peut-être ajuster nos horaires scolaires. On en parlera en conseil d'école. Je pense qu'il nous manque un petit quart d'heure parce qu'on avait réduit cette pause toujours pour aller plus vite. Hein. En fait, il faut toujours aller plus vite, que la journée scolaire soit dense et qu'elle soit finie plus tôt. Et puis, les enfants, de toute façon, leur journée n'est pas plus courte. Hein. Donc, eux, ils commencent à 7h30, ils finissent à 18h30, quoi qu'il en soit. Donc, si on prend 2 heures sur la pause méridienne pour manger, ben, on prend 2 heures, on a 2 services. Ce n'est pas la course, hein. C'est un temps où il faut manger tranquillement. Merci. Oui. En fait, par exemple, vous parliez tout à l'heure du prix par enfant qui était entre 8,50 et 9 euros, si je ne dis pas de bêtises. Et le prix que vous payez... Le prix du repas, il est actuellement moins de 50% de ce prix-là. C'est-à-dire que le prix, on peut dire qu'il est à 3,80. Hein, le prix du repas est à 3,80. Donc, ça veut dire qu'il y a des parents qui payent moins que ce que le prix du repas est acheté par la mairie. Il n'y a que les tranches les plus favorisées qui payent 3,90, donc qui payent 10 centimes. Mais là, c'est un peu aussi
je vais dire, un souci social. Hein. Je pense qu'il peut y avoir aussi voilà, un certain équilibre dans ce sens-là. Et puis, tout le reste, hein, jusqu'à aller, c'est la commune qui le prend en charge parce que c'est de l'électricité, c'est de la vaisselle qui est renouvelée et c'est surtout du personnel. Hein. On a quand même, pour 90 enfants, on a combien, 7 ou 8 adultes qui travaillent entre midi et 2. Donc, ça fait ben non, 7, en comptant les francas. En comptant les francas, et on va rajouter un service civique et ça fera 8. Quoi. Voilà. Donc il y a toujours 3-4 adultes dans la cantine pour la quarantaine d'enfants. Donc, et quand c'est les petits, on est à un adulte pour 8-9. Et est-ce qu'on les a évoqués un petit peu, mais quels sont les leviers qui permettent d'amortir un petit peu le surcoût? On peut penser peut-être à travailler sur le gaspillage alimentaire, les menus végétariens peut-être, qui sont peut-être moins chers, peut-être pas, je pose la question. Quelle est la fréquence par exemple des menus végétariens, ou il y a peut-être d'autres leviers? Je ne sais pas, Pierre Plancheron, si... Donc effectivement, en fonction de la commande de la mairie, on est tout à fait capable de fournir des menus végétariens dans la diversité. On va pas forcément les dénominer menus végétariens parce qu'en fait on se rend compte que ça a parfois un effet, il y a des représentations négatives, mais on les intègre en fait sur l'ensemble des menus pendant toute l'année. Donc amortir le coût, en tout cas pour nous, pour rester dans des ordres de prix qui soient entendable par les municipalités, c'est un vrai travail, une vraie ingénierie, une vraie complexité. Et il faut qu'on arrive donc ça à l'approfondir pour rester dans cette tarification. Mais pour nous, c'est compliqué. Alors, pour ce qui est de la commune, nous, on n'a aucun moyen de diminuer les coûts. Hein. Ce serait au détriment de la qualité. Enfin, on ne peut pas mettre un seul adulte dans la cantine. Donc, on ne peut pas réduire le personnel. Le prix, ben, c'est M. Plancheron qui nous le fixe. Donc, s'il augmente ses prix, ben, on augmentera ses... Voilà. Donc après, c'est un choix municipal, hein, c'est-à-dire que bon, nous, on a un surcoût peut-être là cette année. J'avais chiffré pour une année scolaire à peu près, quand on en a discuté avec les parents, au moins 10 000 euros. Ce sera peut-être un peu plus, ce sera peut-être 12 000 ou quelque chose comme ça. Bon, mais c'est 12 000 euros que je peux mettre sur de la voirie, par exemple. Bon, on a fait le choix de le mettre sur les enfants. Bon, voilà. Après, chaque municipalité, on n'a pas des grosses marges de manœuvre, hein, sur les frais de fonctionnement. On peut pas, voilà, ce qui sera pas fait d'un côté sera fait de l'autre. Mais ça me pose pas de problème d'expliquer à la population que ben on aura mis 12 000 euros au niveau des enfants et on les aura pas mis sur d'autres choses qui sont peut-être moins urgentes ou en tout cas moins prioritaires à nos yeux. Je crois que bon, tout ce festival, enfin, on montre bien que il va falloir quand même changer de nos priorités. Et donc, voilà, nous, on a choisi les nôtres, hein, en fait. Merci. Je voudrais revenir brièvement sur l'approvisionnement en bio. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, en bio et en local. Est-ce que c'est plus difficile de s'approvisionner localement en bio? Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure. Et aussi, est-ce que le nombre de repas peut jouer sur la difficulté à s'approvisionner en bio et ou en local? Est-ce que là, vous avez, donc on l'a dit, 80-90 repas 4 jours dans la semaine. Est-ce que c'est imaginable dans les mêmes conditions pour une ville plus conséquente? Quelles sont les complexités qui peuvent rentrer en plus de celles que vous avez mentionnées vis-à-vis de l'échelle de la cantine? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a la potentialité du territoire local à fournir, hein, au niveau des producteurs. Nous, on s'est fixé au niveau de l'entreprise un maximum de 1500 repas jour à terme, donc ce qui peut sembler beaucoup, mais qui est totalement ridicule par rapport
à ce qui est servi dans les grandes cuisines centrales industrielles qui font souvent, c'est des modèles à 10-15 000 repas jour. Donc on se les fixait aussi en fonction de cette étude et de la potentialité de fournisseurs bio et locaux pendant toute l'année. Donc ça, c'est un des éléments. Et après, pour une grande ville, bon, si on pense à Montpellier, par exemple, le système des appels d'offres fait qu'on ne peut pas... Ils ne peuvent pas discriminer un territoire. Et donc, la question du local, elle existe de manière très marginale par certains aspects dans le cahier des charges de l'appel d'offres. La commune peut dénominer tel type de fruits en telle saison et espérer tomber sur un producteur plus local. Mais c'est tout ce qui est... C'est tout ce qui est possible de faire. Il faut bien imaginer que les élus sont soumis à ces règles des marchés publics et que, donc, du coup, c'est souvent sur des grandes collectivités, des fournisseurs de taille nationale ou internationale et qui n'ont que faire de la dimension locale, tout simplement parce que ce n'est pas dans leur processus et dans leur modèle économique. Voilà, donc il y a vraiment ces deux facteurs. Et nous, le système de développement de la structure, si la demande dépasse 1500 repas jour, ça se fera sous forme d'une nouvelle création, en fait, d'un système d'essaimage par territoire et en travaillant le plus possible avec le local. La configuration gardoise, par exemple, au niveau des productions, il y a beaucoup plus de diversité, de possibilités et de maraîchage dans le Gard que dans l'Hérault. Dans l'Hérault, il y a une très très grande majorité de production viticole avant le reste. D'accord, merci. Je vous propose, donc là on est en octobre, donc ça fait un mois que la cantine est en place. Est-ce que je me tourne vers les parents d'élèves et puis vers vous tous en fait, quel premier bilan vous tirez de ce changement? Quels sont les retours des parents, du personnel, des enfants? Voilà, sur les nouveaux menus, sur le gaspillage, peut-être. Est-ce qu'il y a des changements, tout ça, voilà. Quel regard vous portez sur ce premier mois? Alors, on a un petit peu de recul, et pas suffisamment peut-être, mais en tout cas, c'est vrai que les enfants, ou en tout cas le mien, est assez enthousiaste. Alors, parfois moins, parce que effectivement, c'est des choses qui sont moins industrielles pas du tout industrielles, pardon, et parfois son dégoût un petit peu marqué, qui peuvent les surprendre. En tout cas, ça éduque leur palais, ça c'est clair. Et le mien est vraiment enthousiaste par rapport au dessert. Il adore. Donc c'est formidable quand même d'avoir ce. Ces retours très positifs. Voilà. Après, pour l'instant, on n'a pas fait. On voudrait faire une enquête a posteriori auprès des parents pour avoir le retour un petit peu. Mais bon, là, un mois de la rentrée, ça fait un petit peu court, donc on se laisse le temps de voir. Mais après, bon, la sortie d'école, etc., on en parle quand même, on entend des choses. Et pour l'instant, moi, j'ai eu que des retours positifs. Sur la cantine, donc des enfants qui mangent mieux, des parents qui me disent oh, avant ils rentraient à la maison, il fallait qu'ils dévorent, ils se gavaient de pain parce qu'il avait super faim, maintenant ils rentrent, ils arrivent à attendre le repas du soir parce qu'en fait il a mangé le midi. Après, des menus qui plaisent aux parents aussi, alors des fois qui peuvent peut-être déconcerter un peu les enfants parce qu'on est vraiment sur des menus élaborés, etc. Mais Florian, donc, est le cuisinier de la structure, il est vraiment, vraiment très ouvert, il écoute beaucoup ce que peuvent dire les parents, ce que peuvent dire les professionnels qui travaillent avec lui. Il essaye de s'adapter au mieux, et c'est vrai, comme disait Marina, il essaye de cuisiner tous les produits de saison, donc il va y avoir du fenouil, il va y avoir du poivron, il va y avoir des choses un petit peu fortes, mais il essaye de toujours proposer quelque chose à côté pour que les enfants puissent manger de toute façon si ça ne leur plaise pas.
On essaye de motiver, alors ça c'est en cours, mais il y a une volonté aussi de faire un travail avec les équipes sur place pour motiver les enfants à goûter à tout, qui est vraiment aussi une éducation du palais qui se fasse. Mais jusqu'à présent, les enfants ont l'air contents, les parents aussi. Et voilà. Après, bon, c'est les quelques mamans qu'on voit à la sortie d'école. On n'a pas encore tous les retours, mais pour l'instant, en tout cas, ça semble positif. Pour parler des retours, donc, on va dire que les agents constatent qu'il y a moins de gaspillage. Hein, vraiment, on jette très peu de nourriture. Donc, on va dire que c'est plutôt bon signe, hein, c'est que ça se mange. Hein. On a eu quelques petits retours de parents qui ont signalé des difficultés parce qu'ils n'ont pas leur emploi du temps régulier et pour réserver, on demande une réservation à peu près à 10 jours à l'avance, mais je pense qu'on a répondu à tous les cas particuliers. Hein. L'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait une majorité de parents qui suivent le rythme de réservation. Après, si on est sur 3-4 qui ont des situations professionnelles ou personnelles qui sont compliquées, on a toujours géré au cas par cas. On a une commune à dimension humaine, on n'est pas Montpellier. Donc, on arrive à gérer. Et puis maintenant, le cuisinier, il a une visibilité à peu près sur un rythme. Le rythme a été pris. On ne savait pas trop où on allait cette année, puisqu'on a eu beaucoup de rentrées de petites sections. Donc maintenant, on voit à peu près comment la semaine va s'organiser au niveau quantité. Donc voilà, je pense que pour le moment, cantine, ça va bien. Il y a juste les agents qui râlent un peu pour la vaisselle. Mais bon, ça va aller, ça, on va améliorer. Sur votre gauche, oui. Pierre Plancheron, il faut que vous l'allumiez parce qu'il est éteint. Voilà. Quel regard vous portez sur ce premier mois ? Un regard positif aussi. On est le plus à l'écoute possible. Donc, ce qu'on a demandé, nous, à notre chef, qui sont en contact régulier, et on a demandé effectivement au personnel de faire remonter tout problème donc, qu'on peut prendre en compte et pour essayer de le résoudre et de répondre au mieux. Ça, je pense que ça commence à fonctionner. C'est quelque chose qui doit se réguler. Voilà. Et je pense que la question de la dimension éducative, c'est peut-être là aussi que vous vouliez en venir, elle me semble primordiale, en fait. Ce que dit Madame le maire par rapport au temps du repas et aux conditions du repas, c'est effectivement, ça va de pair avec la qualité du contenu et de ce qu'il y a dans les assiettes. Donc nous avons commencé un travail avec le réseau Coopère 34, qui est un réseau donc départemental d'éducation à l'environnement, avec une centaine d'associations qui intègrent ce réseau, et il y en a une quinzaine qui sont spécialisées dans l'éducation à l'alimentation. C'est un collectif qui s'appelle Tout un plat, et vous avez différentes spécialités, donc des possibilités de séquences d'animation à destination, donc bien sûr, des enfants, avec des choses qui peuvent se faire, se concevoir sur mesure avec les équipes pédagogiques et les enseignants. Mais il y a aussi des associations qui vont proposer des formations pour le personnel, éventuellement aussi des formations pour les élus quand ils veulent aussi approfondir et aller plus loin sur ces sujets. Et ça, je pense que c'est la clé de la réussite aussi, de la durabilité à long terme. On est en contact avec une association qui s'appelle 1 plus Bio, qui est une association nîmoise, et qui accompagne comme ça les collectivités, et comme le réseau Coopère, qui met en avant la question de la dimension éducative. C'est toute une chaîne, en fait. Et c'est vrai que quand on essaye de respecter tous les maillons, hein, du producteur jusqu'à l'usager, on se rend compte qu'il y a un travail de fourmis à faire à chaque niveau. On va essayer, nous, par exemple, à partir de l'année prochaine, de pouvoir passer des commandes aux maraîchers, donc en année N-1, sur tel type de produit à telle saison, ce qui fait qu'on va
participer au développement aussi économique des producteurs locaux. Mais l'idée, c'est de leur demander aussi d'être ouverts à des visites pédagogiques du groupe scolaire, si ça se fait sous forme de visites chez les producteurs au niveau des actions pédagogiques. Donc cette dimension éducative, elle doit être, je crois, à tous les étages, c'est la responsabilité de tous, et de toute façon, ça dépend de la volonté politique. Je pense qu'il y a des élections bientôt, et on a entendu sur le territoire et ailleurs qu'il y a beaucoup d'assos de parents d'élèves qui se mobilisent parce qu'ils ont envie de voir du changement tel que ça s'est mis en place à Saint-Bosile-de-Montmel. Et je pense que c'est très bien. Alors tout ça, évidemment, il faut que ça se fasse, bien sûr, dans la négociation et dans la collaboration, parce que c'est le meilleur moyen d'y parvenir et de progresser. Mais on espère qu'il va y avoir dans d'autres territoires voilà, des prises de conscience similaires pour se dire, je crois que c'est le thème de la fête du festival aujourd'hui, pour se dire que c'est possible, on peut avoir des cantines bio et locales. Souvent, on nous cite en exemple la commune de Barjac dans le Gard, qui a fait ça il y a 20 ans. Ils ont été très précurseurs, et une commune dans le Var qui s'appelle Montsartou. Et dans cette commune varoise, la mairie a gelé plusieurs hectares de terrain, a installé donc une ferme, du maraîchage, de l'élevage. Donc c'est une production bio, locale, uniquement à destination de la restauration scolaire. Ils ont donc embauché des cuisiniers qui cuisinent pour les enfants. Ils ont des repas vraiment de grande qualité. Et alors tout le monde en parle. On en parle en France, on en parle même en Europe. Mais donc ça existe, c'est possible. Mais ça dépend de quoi? Ça dépend de la volonté politique. Et donc, qui dit volonté politique, dit volonté de tous, responsabilité de tous dans un village. Et vous parlez des villes alentours. D'ailleurs, je crois que dans la salle, il y a des parents d'élèves d'autres communes. On va prendre les questions juste après. Françoise Maton, vous êtes en lien avec d'autres maires dans les villes. Est-ce que vous avez des échos? Est-ce qu'ils portent un regard sur cette expérimentation un petit peu à Saint-Bosile? Ben oui, disons qu'au départ, ils étaient très comme tout le monde. Hein. Je crois que beaucoup de personnes ne croyaient pas que ça allait marcher. Nos propres traiteurs, j'ai pris la peine d'appeler les deux personnes qui avaient répondu à l'appel d'offres, parce que voilà, je respecte toutes les personnes qui font leur travail et qui ont pris la peine de nous répondre. Donc ils sont très sceptiques. Notre traiteur en particulier, il a un peu ri. Il m'a dit mais 100% bio, ça n'existera pas, ça ne tiendra pas. Donc j'ai dit écoutez, on verra, on va essayer et puis pas de problème. Donc, pas agressif du tout, mais voilà, ils ne voyaient pas du tout comment ça pouvait se faire, quoi. Et le deuxième aussi, pareil, il m'a dit, écoutez, je suis très étonnée que vous puissiez trouver ça. Puis, je lui ai expliqué comment on allait travailler. Il m'a dit, je comprends la démarche, tout à fait. Et les autres élus, au départ, m'ont dit, comment tu vas faire? Ça va coûter cher. Et est-ce que ça va tenir? Et est-ce que, voilà... Donc, on attend de voir un peu ce qui se passe à Saint-Bosile. Donc, chaque fois que je les rencontre, alors, ça se passe comment? Ça se passe bien? Voilà. Je crois que maintenant, du coup, il y en a qui ont envie peut-être de tenter l'aventure. Tant mieux. Je crois que, voilà, il faut se lancer. Et puis voilà. Comme je disais, avec les parents d'élèves, on ne prend pas un risque non plus. Si jamais M. Plancheron n'arrive pas à nous servir, on appellera un traiteur industriel, on mangera quand même. Il faut donner la chance, je pense, à des gens qui entreprennent des actions comme celle-là, parce que si personne ne veut se lancer, ça n'avancera pas. Et donc, il faut multiplier les initiatives comme ça. On est dans l'économie sociale et solidaire. Ça fait partie des valeurs qui me sont chères. Donc là, on a le tout. On avait parlé de l'hypothèse aussi. Je voudrais juste revenir sur l'hypothèse là du cuisinier qui soit embauché par la mairie, puisqu'on a parlé de Barjac, etc. Je dois dire que là, je suis plus sceptique parce que la difficulté,
c'est la continuité du service public. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est les congés maladie des personnes. Un cuisinier qui est malade, comment on fait, etc. Je suis beaucoup plus rassurée avec une équipe comme ça, où je sais que ben voilà, c'est de la qualité, c'est des professionnels. Si jamais Florian est absent, ben, y a un plan B. Et avec M. Plancheron, parce qu'il a senti que j'étais très angoissée là-dessus, il y a même un plan C. Donc voilà, parce que l'idée, c'est quand même ça, c'est se dire, si le cuisinier, il a une angine au mois de janvier, il rentre des vacances de Noël malade pour 3 semaines, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Voilà. Donc là, ça, ce sont des choses qui sont résolues. Très bien, voilà. Chacun son métier, ils font la cuisine, et nous, on assume tout le reste. Merci beaucoup. On va prendre les questions de la salle, on va faire passer un micro. Bonjour, je m'appelle Damien. Quand je suis entré, j'ai vu en gras le titre table ronde. Et la première question que je me suis posée, c'est, enfin, parce que là, je vois donc une scène avec des gens en hauteur et un public, mais elle est où la table ronde ? Ben, c'est une table ronde entre les personnes qui sont là pour les amener à leur poser des questions, les amener éventuellement à échanger entre eux pour partager leur expérience sur ce thème avec la salle. Et ensuite, le dernier tiers du créneau est prévu justement pour avoir un échange avec la salle pour les questions sur ce thème. Ouais. Et donc en fait, le principe d'une table ronde, parce que là, ce qui se passe, c'est que vous faites une conférence, donc nous on écoute, et à la fin, donc vous nous demandez si on a des questions, et vous avez les réponses. Mais est-ce que, je ne sais pas moi... C'est un échange, ce n'est pas nécessairement à sens unique. L'important là, je pense, c'est qu'on profite de ce temps pour que les gens qui ont des questions sur le thème... c'est pas forcément des questions d'ailleurs, ça peut être des remarques, ça peut être des partages d'expériences dans vos communes ou etc. D'accord, mais ouais, parce que il y a d'autres personnes qui ont des questions. Si vous avez une question ou une remarque ou un partage d'expérience sur ce thème, n'hésitez pas, mais sinon on va faire passer le micro. Pour vous dire le fond de ma pensée, je pense que s'il n'y a pas une table ronde, on n'est pas à égalité et c'est pas démocratique. Quoi. Voilà, c'est mon avis. Merci pour votre remarque. Moi, j'aimerais revenir brièvement sur le sujet des questions toutes courtes, mais qui devraient appeler des raisons très courtes. Pierre, pour l'instant, tu as parlé de 1500 repas, je crois, à terme, hein, qui serait la capacité maximum de ta structure, si j'ai bien compris. Pour l'instant, tu sers combien de repas quotidiens ? Le passe-muraille sert combien de repas quotidiens et à combien de communes ? Très rapide, la réponse. En fait, pour l'instant, on est sur 150 repas en moyenne. Donc, au dixième donc des possibilités de la structure actuelle. Voilà. Et là, on investit très prochainement de nouvelles cuisines et on va pouvoir répondre à d'autres... 150 demandes. Repas, donc vous avez deux communes à peu près de la taille de Saint-Bosile. Voilà, on a aussi un restaurant pédagogique. Okay. Donc, moi, je suis cette question depuis un certain temps, mais j'avoue, c'est peut-être l'âge. Aujourd'hui, donc, le repas servi totalement 100% bio et local, si possible... Hein, par passe-muraille, c'est 3,80. Quel était le coût du précédent traiteur ? 3,40. 3,40. Alors voilà, c'est quand même incroyable. Avec 40 centimes, hein, vous faites un truc formidable, vous êtes capable, avec 40 centimes de plus, de servir des repas bio, ce qui amène le précédent traiteur à être un peu sceptique. François, je l'ai compris. Voilà. Je prolonge un petit peu ma question sur un autre plan. J'ai compris que vous formiez, hein, et c'est formidable, de futurs cuisiniers, pour pouvoir essaimer, hein, c'est ce que j'ai compris. Est-ce que donc il pourrait être envisageable, là c'est plus de faire Françoise que je m'adresse, alors que vous êtes obligé, vous pour l'instant, d'aller chercher souvent des producteurs locaux, bio, un petit peu loin, est-ce qu'on pourrait imaginer que dans l'avenir, parce que c'est ce qu'on recherche tous, hein, pour que les transports soient de plus en plus modestes et pour qu'on se serve de plus en plus proche, est-ce qu'on pourrait imaginer que, alors là, c'est plutôt une question pour Françoise, qu'on trouve
dans des territoires comme le nôtre, qui sont pour l'instant essentiellement consacrés à la vigne, hein, comme ça se passe dans d'autres communes. On a vu Ongelsheim, on en parlait hier, qui a acquis des territoires et qui a installé une régie communale de maraîchage. Est-ce qu'on pourrait imaginer, ça c'est plutôt à Françoise que je m'adresse, donc, que la commune de Saint-Bosile constitue une réserve foncière qui permettrait à des jeunes qui ont l'intention de travailler pour nourrir les habitants qui sont les habitants les plus proches, hein, d'eux-mêmes, de s'installer, parce qu'on sait que pour l'instant, c'est très compliqué d'accéder aux terres agricoles. Alors là, on est sur un projet encore un peu plus ambitieux que celui qu'on a. Hein. Il s'agit d'acheter des terres, il s'agit de... Bon, pourquoi pas, enfin, je veux dire, tout est toujours possible et imaginable. Après, il faut voir, est-ce que... à quelle échelle de temps c'est faisable, bon, parce que les terres agricoles, on ne les trouve pas comme ça à acheter. Là, dans notre région, c'est plutôt, on l'a dit, plutôt la vigne. La SAFER est là-dedans. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit prêt à pouvoir assurer une continuité sur toute l'année. On ne peut pas manger que des pommes de terre ou des haricots verts. Il faut quand même qu'il y ait du riz. Il faut aussi qu'il puisse y avoir des pâtes. Il faut qu'il... il faut qu'ils pensent aussi, bon, même s'il y a un repas bio, enfin un repas végétarien par semaine, ben, ils mangent aussi de la viande, du bœuf, etc. Donc, bon, c'est un gros morceau. Là, très sincèrement, à l'instant T, moi, je ne promets jamais des choses que je ne peux pas tenir. Donc, je ne sais pas. Des réflexions de travail peuvent être envisagées là-dessus. Ou d'autres formes de travail avec M. Plancheron, avec des ateliers qui vont être plus proches ou délocalisés, je ne sais pas. Voilà. Pour l'instant, franchement, la réponse qu'on a trouvée est assez satisfaisante. Bien sûr, on pourra toujours l'améliorer, faire mieux. Peut-être qu'on passera un jour à ce cap-là, mais dans l'immédiat, tout de suite, là, pas tout de suite. Pour compléter, je pense que la solution, elle peut être peut-être plus pertinente à l'échelle intercommunale, c'est-à-dire qu'il y ait un regroupement de communes d'un côté ou de l'autre du Pic Saint-Loup pour réserver ensemble donc des territoires agricoles qui ne seront pas forcément dans la commune, mais dans les communes alentour. Sur la question du modèle économique, je ne l'ai pas dit, donc puisque tu poses la question, je vais le dire. Nous, nos marges, elles sont moins importantes que sur un modèle économique industriel traditionnel aussi. Voilà. En fait, moi, je suis vraiment impressionnée. C'est super, cette réalisation, vraiment... Pardon, voilà. Je disais que moi, j'étais impressionnée. C'est super, cette réalisation, d'avoir ça et d'être allée même un peu plus loin, à savoir d'enlever tout le plastique un maximum aussi et les jetables. Maintenant, moi, ma fille, malheureusement, elle est à Jacou, au collège. Et là, vraiment, on est dans une situation très, très, pour moi, critique sur la cantine au collège de Jacou. Donc, est-ce que vous travaillez déjà avec des collèges? Bon, peut-être non, vu que vous disiez que vous avez 200 repas, enfin, comme ça, voilà. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez sur des collèges aussi? Alors, la question des collèges. On travaille avec un collège privé dans une commune à côté, qui est un petit collège. Mais un collège, c'est... Enfin, les collèges, ils sont régis par le département. Ils essayent de faire des efforts. Moi, je peux vraiment en témoigner, parce que dans la phase d'études, on a... Dans notre comité de pilotage technique, le responsable de la restauration des collèges de l'Hérault, et justement qui est, je parlais de la question des marchés publics, qui est soumis à ces règles, donc qui sont des grandes directives européennes, les plus libérales possibles, et qui font qu'il a en face de lui que des gros industriels. Et il essaye donc petit à petit de développer d'un côté le local et de l'autre côté le bio.
Après, les collèges, le choix qui a été fait il y a quelques années par le département de l'Hérault, c'est d'avoir des unités, des UPC, des unités de production donc, qui sont territoire par territoire. Et donc, c'est des cuisines centrales qui vont de 5 000 jusqu'à, je crois, 15 000 ou 20 000 repas. Voilà, c'est un modèle. Est-ce que c'est le bon modèle? C'est difficile à dire. Dans le Gard, à côté, chaque collège a sa cuisine. Mais ils ont la même problématique au niveau de l'approvisionnement et de la question de la loi des marchés publics pour l'achat des matières premières. Donc voilà, le but, c'est d'essayer de rationaliser les coûts. Je pense que ça pourrait être intéressant de comparer le coût total d'un repas dans les collèges, pour un collège dans un département et dans l'autre, avec ces choix différents qui ont été faits, et puis aussi d'essayer de comparer évidemment la qualité au niveau des produits et au niveau de, on va dire, de la confection des repas qui est servie. Après, je peux peut-être apporter un petit complément de réponse, non pas en tant que maire, mais en tant que personne qui mange dans le collège, puisque je suis prof depuis... j'ai commencé de manger à la cantine à 11 ans, j'en ai 56, donc je mange tous les jours ou presque à la cantine. Il y a eu une évolution quand même, je dirais, qui est plutôt positive dans les collèges de l'Hérault. Maintenant, ça dépend aussi des personnels qui sont sur place. Nous, on avait, avec les mêmes prestations, c'est-à-dire que le département essaye quand même de servir de plus en plus de bio, de produits locaux. Je vois la qualité des produits s'améliore largement. Mais la personne du cuisinier, il fait pour beaucoup. Nous, là, depuis 2 ans, on a un cuisinier qui est très soucieux de bien présenter les plats, d'apporter un petit plus aux enfants. Ça change tout. Donc, voilà, je pense qu'il y a les comités d'hygiène du département, du collège. Il ne faut pas hésiter à faire remonter au niveau des parents d'élèves. Bonjour, donc je suis une habitante de Montau, commune donc juste à côté, mais... Pardon, oui, en plus, je ne parle pas très fort. Donc je suis habitante de Montau, commune juste à côté, mais effectivement, on dépend de la métropole et non de la communauté de communes du Grand Pic-Saint-Loup. Je me posais 2 questions. La première, est-ce que vous avez eu des aides de la communauté de communes? Donc, bon, le passe-muraille, effectivement, vous dites que vous travaillez avec eux, mais est-ce que vous avez eu des aides vraiment par rapport à ce projet-là? Pour aider à sa mise en place, pour aider peut-être dans son financement. Et après, la question que je me posais, c'est vis-à-vis des peut-être parents d'élèves, mais mairies aussi. C'est une initiative qui est effectivement peut-être longue à porter. Quels conseils vous donneriez pour essayer d'aider à cette mise en place ailleurs, pour nous qui ne savons pas trop aussi par quel bout le prendre? Et voilà, quels conseils effectivement vous pourriez donner pour d'autres communes et d'autres parents d'élèves, même si la mairie, effectivement, joue aussi beaucoup là-dessus. Pour la mairie aussi, c'est-à-dire c'est vous qui portez... Alors, pour la mairie, non, c'est notre choix de budget. Hein. C'est, voilà. Pour les parents d'élèves, pour la stratégie, peut-être. Donc, je parlais de l'étude préalable qui a été donc cofinancée en partie par l'Europe. Et c'est le programme Leader qui est piloté par la communauté de communes. Donc c'est de l'argent de l'Europe qui est piloté et diffusé par la communauté de communes. Et après, donc la participation aussi de la région Occitanie et du conseil départemental. Après, il y a un PAT, un plan alimentaire territorial, sur la communauté de communes. Donc on peut avoir des échanges et des conseils techniques et mener ensemble des réflexions par rapport à tous les sujets là, qu'on traite sur la table ronde. Mais je pense qu'il y a aussi la même chose sur la métropole de Montpellier. Normalement, il y a un projet alimentaire territorial aujourd'hui dans la plupart des intercommunalités. Sur la partie étude préalable, on a eu des aides financières pour réaliser l'étude et financer le travail des différents experts.
Voilà, qui a servi à financer les différents experts qui sont intervenus sur l'étude. Pour les conseils, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il faut pas faire ça tout seul. Il faut essayer de se regrouper entre parents motivés. Il faut vraiment être motivé pour ça. Parce que ça prend du temps et de l'énergie de réfléchir à ce qu'on veut faire. Après, je pense qu'il faut vraiment faire avec le groupe de travail, avec les énergies de chacun. Chacun doit apporter un petit peu sa petite pierre à l'édifice, on va dire. C'est ce qui permet de faire émerger les idées. Je pense que chacun d'entre nous, on avait envie de la cantine bio, mais on ne savait pas comment, on ne savait pas pourquoi. La graine à l'assiette, c'était vraiment un travail en commun. On était une équipe, on devait être 6 sur le groupe. Chacun, en fait, a apporté son petit atelier différent. On a réfléchi ensemble. Enfin, c'est vraiment quelque chose de construit en commun. Et je pense que le conseil principal, c'est de fédérer au maximum, d'avoir l'adhésion des gens. Et après, nous, on a la chance d'avoir donc Madame Matron qui a reçu positivement cette envie et qui a envie d'aller dans le même sens que nous. Et après, je ne sais pas ce que ça aurait donné avec un maire récalcitrant. Parce que c'est ça qui est compliqué, c'est que si le maire vous dit non, voilà, qu'est-ce que vous faites? Et ça, je n'ai pas trop la réponse, parce qu'on a eu cette chance-là, nous, de pouvoir avancer là-dessus. Mais je pense qu'il ne faut pas lâcher le morceau sans aller dans l'agressivité, mais revenir à la charge régulièrement, faire des enquêtes, pouvoir au conseil d'école remettre un petit coup de... Au fait, hein, la cantine, il y a quand même des parents qui ont envie. Enfin voilà, je pense qu'au bout d'un moment, ils vont l'entendre, trouver des exemples, pas hésiter à trouver des exemples, si vous avez des arguments, enfin si le maire vous donne des arguments contre, essayer de réfléchir à comment démonter ses arguments pour du coup lui dire non, vous voyez, vous me dites ça, mais en fait, peut-être qu'en faisant autrement, voilà, toujours garder cette énergie pour se dire, garder son objectif en tête, et même si ça prend un an ou deux, mais voilà, essayer de voir toujours plus loin et de faire aussi avec les contraintes et la façon de penser de la municipalité. Et voilà, enfin, moi, c'est ce que j'imagine, mais bon, après, nous, on est dans une bonne. Bonne énergie là avec avec la municipalité, du coup c'était un peu facile entre guillemets, mais voilà. En fait, c'est juste pour éclairer un petit point par rapport à l'étude, en fait. À quoi ça servit cette phase d'étude, en fait? Pour revenir sur le fait que les industriels étaient sceptiques sur le fait que ça puisse fonctionner, parce qu'en fait, on est en train de changer un système, on est en train de relocaliser des choses qui avaient pris des proportions et qui prennent toujours des proportions européennes, mondiales. Voilà. On essaie de changer et de revenir à des méthodes différentes et de relocaliser. La phase d'étude sur laquelle a participé du Fonds européen, et une volonté des collectivités, du Grand Pic Saint-Loup, c'était justement étudier comment c'est possible de relocaliser, de refaire à échelle locale. Est-ce qu'il y a les producteurs? Est-ce qu'il y a les réseaux possibles? Comment ça a servi à ça, cette étude? Et ce qui a bien matché, et c'est génial, c'est qu'effectivement, il y a eu cette étude, il y a eu cette étude de possibilité, du possible, voilà, et qui a croisé avec des volontés locales fortes, portées par le terrain, portées par la base, parce que ça ne peut partir que de là, toujours, les choses, et portées par une volonté politique locale. C'est parce que les choses se construisent brique par brique à ces différents niveaux-là que ça a pu fonctionner. C'est cette phase d'étude, elle est arrivée au bon moment, elle est arrivée à croiser avec des volontés locales, et c'est ça qui est intéressant. C'est possible ailleurs, mais il faut aussi que ce soit... il faut qu'il y ait tous les bons outils. Il va falloir que vous trouviez aussi la volonté politique, l'appui politique, je parle de par rapport à votre question, madame, et les acteurs qui vont pouvoir le porter. Parce que je doute que les grands industriels se rangent à cette vision du monde avant un petit moment. Si ça ne leur rapporte pas, ils n'iront pas. Oui, moi, je voulais d'abord faire une remarque ce matin, bizarrement, sur France Inter. Alors, je ne sais plus quelle émission. Il y avait justement...
le thème cantine bio, est-ce que c'est possible, collectivité, voilà, le bio en collectivité. Donc je vous invite peut-être à rechercher, je crois que c'est à 9h. Et ce que je voulais dire, c'est que pour un peu lancer ce genre de projet, nous, il y a 20 ans, sur Saint-Mathieu-de-Tréviers, on arrivait péniblement à faire un repas bio par an. Bon, eh ben, alors, bon, je préfère pas me prononcer aujourd'hui. La réalité aujourd'hui, c'est qu'ils introduisent un aliment bio. Alors, parfois, ça peut être un fruit, parfois, ça peut être un yaourt dans le repas. Pour moi, c'est... Bon, moi, je suis pas d'accord avec ça, mais bon, voilà. Nous, on voulait un repas de A à Z. Voilà, on intervenait aussi au collège. Quand je dis « on », c'est avec l'association de parents d'élèves, la FCPE, voilà. Et puis, ce que je voulais dire pour les aides, c'est que quand même, justement, moi, je vous parle d'il y a une vingtaine d'années, il y avait déjà l'association 1 plus bio qui existait dans le Gard. L'émission de France Inter ce matin parlait d'une association dans l'Isère qui s'appelle Manger Bio et qui aide justement les gens qui ont envie de mettre en place des cantines bio, enfin voilà, des restaurations collectives en bio. Et que je pense aussi que relocaliser les productions bio, le petit maraîchage, etc., avec l'aide des collectivités, c'est quelque chose de fondamental pour pouvoir aller justement vers ces choses-là. Voilà. Dernière chose, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a un jeune traiteur qui s'est installé, un traiteur bio. Alors quand je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il avait contacté pas mal de collectivités, enfin de communes dans le coin. Il est, je ne sais plus où il est d'ailleurs. Il s'appelle Monsieur Grimaldi et c'est My Baby Bio ou un truc comme ça. Il travaille, enfin voilà, il propose de la restauration bio pour les collectivités, mais malheureusement, il n'a pas eu beaucoup de retours. Voilà. Par le contact que j'ai eu avec lui, que Luc Catapano, hein, tu t'es rapproché de Luc Catapano, qui pour l'instant est le berger de Saint-Vosile. Hein, il a un troupeau de 350, je crois, brebis, hein, qui pâturent et qui vont entretenir le paysage. Il n'est pas en bio, on lui en parle depuis plusieurs années. Moi, il y a quelques années, il me disait, bon, mais tu sais, pour moi, le bio, c'est pas rentable, c'est pas possible. Bon, mais je sais, par contre, je pense pas qu'il m'a raconté de blague, que tu es en contact avec lui. Alors, est-ce que le passe-muraille va pouvoir, justement, en tant que débouché possible, hein, pour les viandes de Catapano, par exemple, dans ce cas très précis, est-ce que tu vas pouvoir peut-être l'aider à aller, justement, vers le bio? Moi, je ne vais pas l'aider à aller vers le bio. On est effectivement en contact avec lui parce qu'il va proposer, normalement, des agneaux bio. Donc, ça serait fabuleux, hein, d'avoir sur la commune des agneaux. Voilà. Donc, quand il proposera des agneaux bio, voilà, tout à fait. D'accord, oui. S'il y a pas d'autres questions, si vous avez un mot de conclusion, et puis on va se quitter. Donc déjà, je voulais dire que je trouve l'initiative du festival vraiment excellente et il faut espérer que ça fasse aussi, peut-être là aussi, des petits dans les communes alentour de la Comcom et de la métropole. J'ai expliqué que le statut, c'était une société coopérative d'intérêt collectif. Donc, il y a le mot coopératif et il y a le mot intérêt collectif. C'est-à-dire que les usagers peuvent être associés dans le cadre de la société. Donc ça, c'est important. Ça veut dire qu'en étant associé, en prenant des parts sociales, la collectivité a un droit de regard sur ce qui se passe, le sourcing, les producteurs, le process de fabrication, la tarification, etc. Donc, on a beaucoup réfléchi à un système de transparence, de traçabilité,
on se rend compte en fait que les gens en parlent, mais est-ce que vous allez vraiment vérifier au niveau du traiteur de la restauration scolaire, même en général quand vous allez dans un restaurant, ou d'où viennent vraiment tous les produits, donc c'est quand même assez contraignant. L'idée, c'est de pouvoir ouvrir cette possibilité aux usagers. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cette forme, qui est une forme spécifique de l'économie sociale et solidaire. Et donc ça aide aussi à la prise de conscience de toute cette chaîne d'acteurs autour de la question de l'alimentation. Moi, on poursuit deux objets. C'est comment intégrer l'enfant à son territoire par l'alimentation, comment l'alimentation contribue à l'intégration de l'enfant sur son territoire, et également comment la gouvernance de la politique alimentaire peut être redonnée par rapport à ces questions des appels d'offres dont on a parlé au début, à la commune et aux parents d'élèves et aux familles. Donc nous, on a trouvé cette forme-là. Peut-être qu'il y a d'autres formes qui peuvent exister, mais celle-là nous semble en tout cas pour l'instant la plus efficace. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose, non ? Ok, très bien. Ah ben, allez, une dernière question, il y a une dernière remarque. Une remarque. Oui, c'est une remarque. Ce qui vient de se passer, je trouve que c'est assez formidable. On avait organisé, alors j'ai plus l'année en tête, mais il y a l'affiche dehors, hein, au centre de l'accueil. Ça devait être en 2010 à peu près, dans ces eaux-là, hein, ou 2011 ou 2012, la venue d'Edmond ou d'Edouard, je ne me rappelle plus, Cholet, qui est le maire de Barjac. On avait passé « Nos enfants vous accuseront », le film. Il y avait pas mal de monde, hein. On était au foyer, je pense que c'était une des grosses soirées organisées par Agir, il y avait 80, entre 80 et 100 personnes. L'ancien maire du village était là. Et donc, à l'époque, déjà, on parlait très fortement de la nécessité, parce que Cholet était un magnifique formateur, enfin, éducateur même, il avait vraiment bien expliqué tout le cheminement qui s'était passé donc à Barjac. Et ce que je trouve formidable, c'est que, bon, au bout de quelques années quand même, finalement, ça a été assez rapide, hein, la municipalité actuelle, parce que c'est quand même ça, hein, à Montaut, ça ne changera pas. Vous l'avez vu, il n'y a pas d'aide particulière pour le maire, hein, pour la commune. Ça ne changera pas si la commune ne va pas dans ce sens-là. La cantine, elle est gérée par la commune et par la municipalité. Donc il y a un peu soit vous êtes capable de faire comme Célia le suggérait, de convaincre le maire, soit vous allez établir une sorte de rapport de force. Encore une fois, dans les 6 mois qui viennent, il y a peut-être matière à lui faire comprendre qu'il faut aller dans ce sens-là. Voilà. En tout cas, chez nous, l'évolution a été possible. C'est bien. Je pense qu'il faut aller encore plus loin. Parce que c'est évident que l'avenir, on va être obligé d'arrêter de brûler du pétrole. Donc, il va falloir relocaliser, comme tu l'as parfaitement bien dit. Et donc, en associant peut-être... Là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Françoise. Il faut être capable d'aller un tout petit peu plus loin. Comme tu es la première à me l'avoir dit, 80 repas à Saint-Bosile, c'est sûr que ce n'est pas jouable d'avoir une structure de fabrication de repas pour nous tout seuls, mais peut-être qu'en associant avec Fontanès, avec Montaut ou avec Sainte-Croix de Quintillargues, là on arrivera à 200 repas, et là, alors avec dernier, il n'y aura pas qu'un seul cuisinier qui mettra en péril la structure s'il tombait malade, il y aura peut-être un aide-cuisinier où on peut imaginer, grâce à Passe-Muraille, qui forme des cuisiniers toute l'année, hein, avoir des cuisiniers qui, de manière volante, pourraient venir prendre le relais. Mais il va falloir inventer ce genre de choses, c'est sûr. Parce que il faut évidemment que notre région, ça ne soit pas... Il y a eu d'autres débats, hein, hier, qu'on ne produise pas que de la vigne. Parce que pour se nourrir, on ne peut pas se nourrir qu'en buvant du vin ou en buvant du jus de raisin. Donc c'est clair qu'il va falloir que les terres agricoles se répartissent autrement, qu'elles soient épargnées. Ça, on commence à le faire dans le Pic-Saint-Loup, hein, de la spéculation. Il semblerait que dans la communauté du Pic-Saint-Loup, l'ensemble des terres agricoles actuelles soient définitivement vouées à l'agriculture et donc échappent à la spéculation. C'est ce que Mme Irène Tolleret, hein, qui est maintenant d'ailleurs notre représentante au niveau de l'Europe et qui était la maire, je ne sais pas si elle l'est toujours, de Fontanès, nous a affirmé plusieurs fois et publiquement. Donc si on arrive à préserver les terres agricoles, hein, à éviter qu'elles soient bétonnées et qu'elles aillent à la construction,
Bon, eh bien, il faudra évidemment qu'il y ait une diversité agricole, hein, qu'il y ait peut-être un peu moins de vignes et un peu plus de maraîchage, un peu plus d'arbres fruitiers. C'est un vrai problème pour se produire en fruits bio localement, c'est quasiment impossible. Hein. Et puis, il faut que nos éleveurs, parce que tout le monde ne deviendra pas végétarien, moi je le suis depuis un moment grâce à mon fils, mais bon, j'aime toujours la viande et je me régale de temps en temps d'en manger un petit peu chez les amis, mais il va falloir que nos éleveurs trouvent à vivre et trouvent des débouchés localement. Voilà, mais merci encore à la commune de soutenir ces projets qui vont dans le bon sens. Alors juste pour, je ne veux pas te voilà, on ne va pas discuter très longtemps. Hein. À propos de repas végétariens, justement, je donne une info que peut-être qui est importante, hein, c'est que quand même il y a une prise aussi de conscience, voilà, globale. À partir du mois de novembre, normalement, dans toutes les cantines de France, un repas végétarien doit être servi par semaine. Donc je ne sais pas si les traiteurs seront en capacité de le faire. En tout cas, nous, au collège, c'est déjà le cas. À Saint-Bosile, c'est déjà le cas. Voilà, parce que ben, on sait que l'élevage, quand il est mal fait, hein, je veux dire, il y a de l'élevage qui est fait de manière intelligente, mais voilà, que la consommation de viande, c'est aussi quelque chose qui est tout à fait néfaste pour l'environnement. Tu dis il faut aller plus loin, on va aller plus loin, mais moi je veux attaquer plusieurs registres de front, c'est-à-dire que là pour l'instant on a un peu résolu, je vais dire entre guillemets, en tout cas pour un temps la cantine bio c'est fait, mais je pense qu'au niveau scolaire il y a d'autres chantiers à mener. Nos enfants écrivent avec des feutres qui sont polluants, pleins de gaz toxiques, en plastique, qui s'usent, etc. Il y a quelque chose à faire là-dessus au niveau des fournitures, du choix de fournitures scolaires. On parle de qualité de l'air dans les écoles. Est-ce qu'on sait seulement avec quoi sont habillés nos enfants ? Est-ce que les vêtements qu'ils portent, est-ce que les chaussures qu'ils ont aux pieds, qui viennent de Chine, on nous demande, nous, collectivités, d'avoir des meubles, d'avoir des peintures, d'avoir du mobilier qui soit fait avec des produits non toxiques. Est-ce qu'on est sûr que les personnes qui rentrent dans les écoles sont... voilà. Enfin, je veux dire, il y a une réflexion globale à mener là-dessus. À mon avis, on ne peut pas se dire, tiens, ben, ils mangent bio, c'est super, on a tout fait pour améliorer la santé. Non, je pense que la santé de nos enfants, il y a d'autres points à travailler. Il y a un gaspillage aussi des fournitures scolaires qui génèrent des tonnes de plastique dans les océans. Et je pense que c'est un vrai sujet à travailler avec les enfants. Là aussi, je pense qu'il y a matière à travailler à la fois avec les parents d'élèves, avec les enseignants, parce que là aussi, on ne peut pas continuer dans cette quête du toujours plus. Voilà. Donc oui, on ira plus loin, mais je ne peux pas me focaliser juste sur... Ce sujet est important, on a déjà fait quelque chose, il faut en attaquer d'autres. Merci beaucoup. Et merci donc aux intervenants d'être venus et d'avoir partagé cette expérience avec la salle. Merci beaucoup.